dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire comment vous pouvez avoir certification CIMAS en suivant des cours en ligne dans le site CIMAS. Ok, tout ce qui est tiers porte, comment vous avez programmation, supervision, tout ça. Ok, donc comment on peut faire ça avant que je vous montre ça. Donc vous pouvez visiter notre chaîne YouTube Hamadi Bensessi, où vous allez trouver plusieurs vidéos sur la programmation des automates CIMAS, Adam Bradley, Unity, Schneider, tout ça. Ok, donc n'hésitez pas à abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette chaîne à tous vos collègues et amis pour avoir plus d'abonnés et de partager plus de vidéos. Ok, donc ici on va commencer, on va entrer au site CIMAS. Donc ici c'est le citron learning CIMAS.com. Ensuite on va descendre en bas de la page. Ici vous avez e-learning citron, on va cliquer sur ça. Ici vous allez trouver plusieurs formations. Donc tout ce qui est tout ce qui est système de contrôle de processus, tout ce qui est technologie d'entraînement, tout ce qui est système d'automatisation. Par exemple, je vais rentrer ici. Donc vous allez trouver plusieurs vidéos, plusieurs formations, ou bien en allemand ou bien en anglais. Ok, tout ce qui est programmation structurée, de semantique TIA, TIAPORT version 15, donc formation numérique TIAPORT version 15, TIAPORT version 16. Donc vous allez trouver plusieurs formations aussi au niveau réseau. Donc si on va descendre un peu, donc tout ce qui est distribution d'énergie ici, tout ce qui est communication industrielle ici, Profinet, vous allez faire des formations au niveau Profinet, communication industrielle, internet, aussi au niveau logo, donc programmation de ce qui est des automates logo. Donc comment on peut s'inscrire à ces formations, comment on peut faire l'inscription, je vais vous montrer. Donc ici comment on peut faire ça. Donc on va s'identifier, on va faire registre. Ici vous allez saisir vos données. Ok, par exemple je vais écrire Bensessi Hamadi, mon email par exemple. Je vais écrire un nouveau email pour vous montrer comment on va faire l'inscription. Donc Hamadi 2022, c'est pas mon email, donc c'est un nouveau email pour vous montrer comment vous allez faire. Donc enregistrer. Donc ici nous avons créé un compte, donc on passe maintenant, on va voir notre email. Donc je vais revenir à notre email. Donc je vais voir mon email. Donc de connecter, donc je vais me connecter à notre mail.
Voilà, j'ai accédé à mon email. Donc ici, je reçois un email de Simas. Donc je vais cliquer ici pour activer mon compte. Et je vais cliquer sur ce lien pour l'activer. Donc j'ai activé mon compte ici. Donc ici, je vais taper mon mot de passe pour ce compte. Ici, j'ai pu accéder à mon compte. C'est bon, donc après que j'ai accédé à mon compte, donc ici je peux choisir une formation. Par exemple, ici je veux faire par exemple sur Profinet. Donc je dois aller industrie communication. Je vais choisir par exemple en anglais Profinet. Donc ensuite, vous allez faire date et registration. Je vais cliquer sur celle-ci. Next. Ensuite, bien sûr, ici, vous allez écrire toutes vos données. Par exemple, vous avez mis les hats, donc ici vous allez continuer à saisir. Plus 16. Donc vous allez continuer tout ça, toutes les données, puis c'est bon. Il manque quelques données que je n'ai pas saisies. Vous allez saisir toutes les données nécessaires. Donc après que vous allez enregistrer, en fait, donc next. Donc ici, bien sûr, 0 euro, c'est-à-dire c'est gratuit. J'accepte et enregistre. Donc après que vous avez terminé l'inscription à cette formation, donc vous pouvez aller au My Training ici. Et ici, vous allez foutre votre formation et vous cliquez ici Open a Learning pour commencer votre formation. Open a Learning. Donc ici, il va afficher le cours que vous allez suivre en ligne. Et vous allez suivre étape par étape cette formation. Il va afficher le cours, on va entendre un peu. Voilà le cours, bien sûr, qui est lancé sur le Profinet. Okay? Donc, ici, vous allez suivre cette formation, bien sûr, en anglais. Et à la fin de faire cette formation, vous allez obtenir une certification. Je vais montrer l'exemple de certification. Donc, je vais déconnecter de ce compte, car je vais créer pour vous.
Donc je vais accéder à mon compte pour vous montrer quelques exemples de certification que vous allez obtenir. Je vais accéder à mon compte. Donc je vais passer à mes formations que j'ai fait, my learning, my training. Et ici je vais passer story, c'est les formations que j'ai fait, que j'ai terminé à réaliser, que j'ai terminé. Par exemple ici je vais vous montrer exemple de certification pour le Profibus, donc ici. Donc il va vous envoyer des certifications. Donc par exemple je vais télécharger cette certification pour vous montrer. Et voilà la certification que sera envoyée par Siemens. Ok, qui contient le titre de la formation, le contenu de la formation, ainsi de suite, la date, ainsi de suite. Mais bon, bien sûr, ce sont des formations un peu théoriques, donc il faut mieux que à travers, c'est un peu basique ces formations, donc il faut mieux que vous faites des formations pratiques, c'est-à-dire c'est un plus ça, vous devez faire des formations pratiques. Par exemple, il existe des centres qui font faire des formations 100% pratiques sur la programmation des automates Siemens. Par exemple, en Tunisie, il existe un centre, par exemple ici, je vais vous montrer le centre HTL Bardo High Tech Learning qui permet de faire des formations sur les automates Siemens, sur le SolidWorks, sur aussi AutoCAD électrique. Donc ici, vous allez trouver plusieurs formations dans le domaine industriel qui permet de réaliser ce centre. Donc si vous voulez, je peux vous donner le contact de ce centre pour faire des formations ou bien de voir des formations qu'il est en train de réaliser. Okay? Donc c'est un centre qui se trouve en Tunisie. Merci pour votre attention.